un sac à dos. Parfait. Oh. Oui, oui, enlève ça. Enlève ça, enlève tout. Enlève tout. Garde ton verre. Je vais te donner le micro. C'est toi qui gères ça. Ouais. Ouais, mais d'avance un peu. Il m'a donné le micro, c'est toi qui gère ça. C'est moi qui fais les autres. Moins quand même. Ah, oh, qui est? Mélanie Gaminé. Gaminé. Écoute, j'ai tellement besoin que ton nom, moi je suis dyslexique. C'est vrai? Oui, avance un petit peu. J'avance. Mélanie Gaminé. Ça sent bien. Il est cocktail, il est cocktail. T'es tellement gamine. Ah oui, c'est ça. On a tendance à vouloir dire Gaminé. Ouais, ouais, ouais. Pas magané. Non, non, non. Magané. T'es tout en ben, beauté, pas encore, mais il y a peut-être un projet. Peut-être un projet là-dessus. On sait pas où ça s'en va. Ça va très bien toi-même? Ça va bien, ça fait un an qu'on s'est vu. Pas un an, on non, s'est vu. Non, 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 voilà. À l'automne, on s'est vu. T'es-tu en préparation de show? Ben oui, là, j'ai comme du fun. Je suis en train d'écrire quelque chose qui sera différent. OK. Ah! Ah bon? Hein, je suis bonne, hein, marketing pour être teaser. Ben oui, c'est le fun. Ça sera quand différent. Même découvrir une autre facette de toi. Oui. Ben en fait, moi, j'ai une grande, grande passion sur l'introspection. J'ai un podcast sur l'introspection depuis un an et demi. Je m'amuse beaucoup à aller fouiller dans la conscience de soi. Puis j'ai envie de mélanger la conscience de soi et l'humour. J'ai déjà commencé en conférence privée. J'ai du fun. Puis ça fait du bien, je pense, d'arriver avec de l'humour dans quelque chose. Tu sais, où est-ce qu'il y en a moins d'habitude? Oui, oui, oui. Fait que je m'amuse bien gros. Oui, oui. Puis t'amènes aussi des vérités. Ben, je dis pas c'est des vérités, là, mais j'amène les miennes. Non, non, mais je veux dire, t'amènes quand même des choses, des moments de vie que toi, t'as vécu. Ben oui, puis... j'amène des moments de vie que j'ai vécu, mais c'est surtout mon cheminement que j'amène pour dire qu'est-ce que moi, j'ai compris. C'est pas nécessairement juste du personnel. Il y a beaucoup de ce que j'ai compris dans telle situation, de ce que je comprends dans telle information. Oui, 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 oui. Fait que, tu sais, ça reste drôle parce que des fois, je comprends pas tout du premier coup. Mais parce que l'introspection, tu sais, ça prend, il y a plusieurs couches à ça. C'est du tissage. Fait que là, je m'amuse avec ça pour le moment. J'ai commencé à jouer dans Léo, la saison 4. J'ai un personnage... Ça, c'est nouveau pour toi. Oui, c'est nouveau pour moi. Ça? J'adore. Ah ouais? Ah oui, parce que l'écriture, on est souvent toute seule à la maison. Puis là, jouer avec une équipe, d'autres comédiens, apprendre le métier, être en groupe, tu sais, on est genre 100 personnes. Oui. Et tu passes de tout seul avec ton laptop à écoute, moi j'adore ça. Je me suis découvert un talent intéressant, je pense. Puis les gens ils ont été vraiment. C'est une équipe extraordinaire. Fait que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun. Fait que là, je suis dans la saison 4. À suivre pour voir si je suis dans la saison 5. À suivre. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir un rôle dans Maison Bleue. Wow! Ouais, j'ai un petit rôle dans Maison Bleue fait pour t'as deux épisodes. Cette porte-là, là. Oui! Oui, c'est bien le fun. Comment ça te fait? Ça te, tu dis-tu, ah, OK, c'est quelque chose que je pourrais faire autant que l'humour? Ou, oui, parce que c'est vraiment un terrain de jeu différent. C'est pas la même game, c'est pas la même énergie. C'est un nouveau métier aussi. C'est ça, puis c'est pas tes textes non plus. Il y a quelque chose de le fun. C'est très libre, vu que c'est les textes de quelqu'un d'autre. Évidemment, le but, c'est de le rendre le mieux possible avec l'idée de l'auteur, mais de pas avoir à porter... Le texte, la responsabilité du texte, tu sais, là, c'est comme... Pour moi, c'est tellement un nouveau terrain de jeu différent que j'y vois juste du beau et du fun pour le moment, tu sais. Ah ouais, c'est... Ah ouais, ça fait du bien. C'est un cadeau que tu fais. C'est un beau cadeau. Mais moi, j'avais étudié là-dedans au cégep en jeu, puis on m'avait dit que j'étais pas bonne. Ah bon? On m'avait dit, vous représentez le je m'en foutisse, ma mademoiselle, puis j'étais comme... OK! D'accord. Fait qu'ils ont dit, tu serais humoriste. J'étais comme, de toute façon, c'est ça que je voulais faire. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Ça t'a amené à mais j'ai toujours aimé ça jouer quand même. Puis dans mes shows, tu sais, la façon que je vais avoir mon delivery, comme on dit, ben, je m'amuse beaucoup à faire les personnages ou, tu sais, à jouer la scène. Donc, le jeu, ça a toujours pris de la place, mais là, tu sais, là, c'est vraiment exponentiel. Là, c'est la vraie patente, ouais, là, c'est la vraie patente. Ouais, oui. Gérer un verre et une couette dans la face. Tu veux-tu ça? Il fait chaud avec ça, là. Tout le monde pense qu'il fait soleil, mais non. Non, il fait pas soleil. Tiens, mon drink. Comme tiens, ça. Ah, mon Dieu, merci. Bon. Qu'on m'apporte une napkin pour ma moustache. Qu'on apporte une napkin pour madame. Il fait chaud chez vous. Comment tu fais, Brent, là? Tu comprends? Je sais pas, je cuis. Oui, bon. il cuit. Alors, bienvenue et merci. Eh hey, ben merci. Merci de participer encore une fois au Cabaret des Stars. Ben j'avais bien du fun l'année passée. Ben c'est le fun. Ben oui, ben en plus, moi j'aime beaucoup Luc et sa famille. Oh, excuse-moi, je t'ai manqué. Moi j'ai l'air de voler. Y a Jean-Marc Généreux qui s'en vient. Jean-Marc Généreux s'en vient, ça va être l'être tantôt. Écoute, Jean-Marc Généreux, bonsoir. Je te laisse aller. Bonsoir. Jean-Marc, les pas de cuir. Oh non! Ah, il est pas à l'aise, l'animateur! Non, il est pas à l'aise! Je suis pas capable. Comment qu'on appelle ça, ça? On appelle ça de la rigidité. Merci! Non, moi, bonsoir! J'ai de la misère avec le changement. Salut, bonne soirée.